Bonsoir à tous. Bon, est-ce que les PA pourraient me dire présent sur le chat? Moi, c'est du monde. Oui, elle bat de PA. À l'aide! Ah, y'a Ben. Let's go. Bon, à mon avis, vous êtes tous dans la salle où il y avait Clément, donc à mon avis, vous êtes présents. Bon, écoutez, aujourd'hui, programme d'aujourd'hui, les ensembles, les fonctions et les images. Donc, alors, je vous avoue que bon, c'est un peu, je crois que c'est un peu flou, mais je vais voir ce que je vais pouvoir faire, en tout cas. On va commencer par des ensembles. Donc, on va faire une petite partie courte où je vais expliquer. Tout ce qui est inclusion, comment dire, inclusion, complémentaire, voilà, complémentaire, inclusion, union, etc. Donc, avec les définitions. J'ai une question, vas-y. Oui, soit. Je t'écoute. Excusez-moi. Ok. Bah, j'ai une question. Ouais. Ok, bah écoutez. Du coup, moi, je reprends ce que je disais. Du coup, on va passer un petit peu sur les. Voilà. Dans les équations diff pour la solution particulière qu'on choisit, comme YP, la solution Y sauce, ça s'appelle ratio de la constante. Comme ça. Voilà, moi, je t'avoue que les équations diff, là, je m'en peux plus du tout. Surtout les noms. Donc, si tu veux, je te laisse poser ta question sur Discord mathématiques. Il y aura Clément qui va pouvoir te répondre dessus. Je t'avoue que là, les équations diff, c'est bien loin pour moi. Alors, du coup, bonsoir aux 2200 personnes. À mon avis, il y en a 3 ou 4 qui sont réelles. Mais bon. Du coup. Aujourd'hui, on va commencer, donc comme je l'ai dit, sur les ensembles en premier. Donc, une petite partie sur les ensembles. Donc, quoi? Après, on fera des petits exos. Deux, trois petits exos. Voilà. Ensuite, on fera. Bon, quand les ensembles. Ensuite, on fera. On fera, je vais vous dire. Donc, tout ce qui est injection, enfin, surjectivité, injectivité, etc. Voilà. Et ensuite, on fera bah, l'image antécédente, ça viendra avec l'injectivité, etc. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, bah, écoutez. Déjà, bonsoir. Je sais pas. Je sais pas si y a vraiment du monde. Je sais qu'il y a bien. Il y en a un. Bon, écoutez, je vais faire le cours et puis.
Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être changer de page quand même. Ce serait tellement mieux. Tac. Voilà, donc déjà, on va expliquer dans un premier temps donc on va expliquer déjà je pense que vous savez c'est quoi un ensemble. Un ensemble c'est un ensemble hein, de c'est une collection d'éléments ou un objet, enfin d'objets. Donc c'est un groupe, si on peut appeler ça, c'est un groupe de personnes, un groupe de d'objets en général. Donc l'ensemble vide, très très important à connaître. L'ensemble vide, tu peux l'écrire. On a un ensemble qui est général, donc c'est l'ensemble vide, qui a une notation qui est comme celle-ci. Donc c'est un 0 barré. Je peux faire un peu mieux. C'est un 0 barré, tout simplement. Donc ça c'est l'ensemble vide. Donc il y a rien. Ça va être très important pour quelques trucs, etc. Vous allez voir. Donc déjà, on va noter c'est quoi. Moi j'aimerais bien avoir les stylos si vous voulez. Ça. Pas moyen, je les affiche là. Ils vont disparaître. Ok, bon. Je vais déjà expliquer c'est quoi l'appartenance. L'appartenance, c'est quoi? C'est un élément X, n'importe quel objet, qui appartient à un ensemble. Donc, ça veut dire quoi? L'appartenance, en fait, c'est tout simplement ça. X appartient à A. Donc ça, je pense que vous le savez. Ensuite, on a n'appartient pas, qui se note comme ça. On a aussi quoi d'autre? On a l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est quoi? Là, je vais juste voir deux trois objets hein, qui appartiennent aux ensembles, etc. Donc l'inclusion, on a quoi? Là, par exemple, on a deux ensembles. On a E, F, deux ensembles. Tel que, par exemple, on a E qui est inclus dans F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque élément, donc chaque x appartenant à E, en fait, chaque élément d'attaque, on a x qui appartient à E, implique que x il appartient aussi à F. En fait, c'est tous les éléments de E, mais absolument tous, ils sont aussi dans F. Mais F n'est pas forcément inclus dans E. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas dans E, des éléments de F qui ne sont pas dans E. Donc, par exemple, on a un autre signe. F qui n'est pas inclus dans E. En fait, ça s'avère quoi? Ça veut dire qu'il existe un élément. Il existe un élément. Donc X appartenant à E. Tel que X n'appartient pas à F. Donc en fait, il y a une exception. Non, je crois que je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Ici, c'est f, tel que x n'appartient pas à e. Voilà. Oh, merde! My bad, j'ai oublié de montrer le tableau. Vous avez pas loupé grand-chose. Vous n'avez pas raté grand chose. Bon, je vais en faire vite. Alors, il y a ensemble vide qu'on note comme ça. Donc un rond barré. On a l'appartenance. Donc ça, c'est un espèce de rond. Voilà. Donc ça, c'est l'appartenance. Ça veut dire que x, il est dans l'ensemble. Et l'appartenance barrée, ça veut dire que n'appartient pas. Donc x n'est pas dans l'ensemble. Ce qui est là. Voilà. L'inclusion. L'inclusion, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, si vous voulez, je peux même vous faire un petit dessin.
Donc ça, c'est la formule mathématique que vous devez apprendre. L'inclusion, c'est imagine. Vous avez deux formes, donc ça, c'est E. Et en fait, si E, il est inclus dans F, ça veut dire qu'en fait, F, bah, c'est ça. En fait, on a tout E, on a l'ensemble entier de E qui est dans F. C'est good pour tout le monde. Ça fait un peu chier d'être quand même 2000 personnes. Mais bref, bon. Est-ce que c'est déjà. Enfin, tout le monde a compris déjà cette notion, bah, l'inclusion. C'est quand même très important. Et du coup, si on veut faire le deuxième dessin, donc par exemple que F n'est pas inclus dans E, c'est en fait c'est simple. Si on a F. Et on a E qui est par exemple ici, qui est ici, enfin, il peut être n'importe où. Tant qu'il n'est pas. Oh, enfin, tant qu'il ne contient pas F, simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a que deux ensembles. Que deux ensembles sont égaux. Que E égale F. Si. On a E qui est inclus dans F. Et F qui est inclus dans E. En fait, ça veut dire que tous les éléments de E sont dans F et que tous les éléments de F sont dans E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tous les éléments de E et de F, c'est les mêmes. Ils sont dans le même dans le même cercle. Ils sont superposés. Et bah c'est la même chose. Qu'est-ce que. C'est parce qu'on a des problèmes, mais c'est pas censé. Pas ça, ça va être meilleur. Ok. Ensuite, je vais vous faire une autre chose, donc l'intersection. Intersection, c'est quoi? L'intersection, c'est tout simplement, on a A inter B. En fait, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'ensemble, donc c'est aussi un ensemble. C'est pour ça qu'on met des accolades de tous les éléments de x, enfin de e. Oh, de e. Ah oui, ok, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. On a. Comme ça. Ok, je vais monter. On a soit. E, un ensemble et A, A et B deux sous-ensembles. Alors c'est quoi déjà c'est quoi un sous-ensemble? Un sous-ensemble c'est par exemple on a E. Ça c'est E. Et après on va voir, je sais pas, on va A. On va voir A ici. En fait, le sous-ensemble est contenu. Donc il y a la relation A est inclus dans. Voilà. En fait, ça veut dire ça en sous-ensemble. Simple. Donc ici c'est B qui est inclus dans E. Et du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait que A inter B, 1 inter B, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A et x appartient à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, imaginons qu'on a deux ensembles. Je vais vous faire un dessin. Donc on a E. Donc ça c'est E. Ça c'est A. Et ça c'est B. En fait, tous les éléments donc de E en général qui appartiennent à A et à E, enfin et à B, ils sont ici.
Ça, c'est l'intersection. C'est l'ensemble des éléments qui appartient aux deux ensembles, qui sont communs aux deux ensembles. À partir de ce moment-là, je pense que ça devrait être le simple pour tout le monde. J'essaie de voir le chat en même temps. Personne qui parle. Ensuite, un deuxième truc qui est l'union. Ça va être donc la même chose, hein, A et B, deux sous-ensembles de E, etc. On appelle union de A et B. En fait, c'est l'ensemble, tout l'ensemble, des X appartenant à E, ça c'est obligatoire. Ils appartiennent à l'ensemble de, enfin l'ensemble pair, l'ensemble principal, tel que X appartiennent à A ou X appartiennent à B. Comme ça, c'est peut-être pas facile à comprendre. On va refaire un dessin encore une fois. Donc en fait, l'union, c'est tout ça. On a l'ensemble A. C'est quoi, je... Imaginez que E, c'est tout. On a l'ensemble A. Et on a l'ensemble B. Ça, c'est I. Et ça, c'est. En fait, l'union. Bah c'est tout. C'est absolument tout. Voilà. Donc c'est les éléments de X, enfin de A, ou de B. Parce que, et pourquoi il y a un OU ici? En fait, le OU est très important, parce que, en fait, comme vous pouvez le voir, on ne sait pas si il y a une intersection. En fait, s'il y a une intersection et qu'on compte tous les éléments de A plus les éléments de B, en fait, on va voir cette partie-là en double. C'est pour ça qu'on met OU. C'est parce qu'en gros, on prend soit les éléments de A, soit les éléments de B. Et en fait, c'est surtout, enfin, sans souci. On prend les éléments de A ici. Ça n'a pas de souci. Les éléments de B ici. Et après, ici, on prend les éléments d'un des deux, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Donc en fait, A union B, ça va être égal à A plus B moins l'intersection des deux. En fait, ça va être simplement égal à ça. C'est les deux ensembles moins les éléments communs. Ok. C'est bon pour tout le monde. Tac tac tac. Ensuite, vous avez un autre chose qui s'appelle le complémentaire. Le complémentaire, c'est quoi? Ça, c'est un peu plus nouveau, je pense, pour certains. Complémentaire 2, ça se note comme ça. Simplement. Donc, E, F, ça c'est deux ensembles. Donc, comment on lit? C, on appelle le complémentaire de F dans E. Donc ça, F. Voilà ça. Ça c'est égal. En fait, ça c'est égal à l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à F. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de schéma? En termes de schéma, imaginons on a deux ensembles. Voilà, donc là, ici, on a R. Là, on a E. En fait, le complémentaire, donc par exemple ici le complémentaire de F dans E, c'est tous les éléments de E qui ne sont pas, pareil le maintien, dans E. Donc en fait, c'est juste ça. Ça va être E moins. Ça va être en fait tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à F, qui ne sont pas communs à F. Simplement. Bonsoir. Comment on fait pour savoir comment. Alors, attention. Comment on fait pour savoir qu'on utilise appartient et inclut? Par exemple, l'ensemble 1, 2, 3 inclus dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. C'est nickel. En gros, imagine, t'as, comme tu l'as dit,
T'as l'ensemble. 1, 2, 3. Et l'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Si tu regardes bien ta définition donc de, m'a dit de l'inclusion, de l'intersection, de appartient et inclus. Ok. Bah, par exemple, ici, le appartient, ça va être un élément vers un ensemble. Donc ça va être un élément, donc ici c'est un réel. Donc par exemple, imaginons, tu as 1 qui appartient au groupe. Ça c'est égal à 2. Ça c'est égal à 1. C'est deux ensembles. 1, un élément, il appartient à 1. Par contre, 5, et attends, il appartient à E, et 1 appartient à F. Il appartient au groupe. 5, il appartient pas à E. Par contre, 5 appartient à F. 6, il appartient ni à E, ni à F. Voilà. Du coup, en fait, à partir de ce moment-là, tu peux voir que 1, il appartient à l'intersection de E et de F, parce qu'il appartient à E. 5, bah, il appartient que à F. Et ici, bah, voilà. Et du coup, 6, il appartient à rien. Du coup, à partir de ce moment-là, tu peux en déduire quelque chose. Déjà, tu peux savoir que E, il est inclus dans F. Pourquoi? Parce que les éléments de E, ils sont dans F. Ces trois éléments, ils sont ici. Donc en fait, ça, c'est E. Donc, si tu fais un dessin, quoi que ce soit, donc imagine que tu fais 1, 2, 3, 5, 6, 8, 6. Et bien imagine, donc ça c'est F, et bien imagine que E, ça va être ça. Tout simplement. Bonsoir Fanny. Ah, c'est bon, c'est revenu à l'ordre, on n'est que 18. Et du coup, il faut mettre seulement une accolade. Oui, donc tu mets une seule accolade. En fait, deux accolades, ça ferait un ensemble d'ensemble. En gros, ça ferait. Si tu pourrais mettre une. C'est par exemple, ça serait ta E qui est un ensemble d'ensemble. Comment dire ça? En fait, le double accolade, donc juste une accolade, bah ici tu as des éléments. Si tu mets une double accolade, ici tu vas avoir, enfin, tu vas avoir des éléments là-dedans. Ensuite, tu peux avoir un autre ensemble avec d'autres éléments dedans, etc. Par exemple, en fait, si tu veux, F, c'est égal à l'ensemble de l'ensemble E, donc 1, 2, 3. Donc, E, et de l'ensemble 4, 5. Voilà. Voilà, en fait, la double accolade, c'est vraiment un ensemble d'ensemble. Faut se dire comme ça, en fait. Le nombre d'accolades, c'est, faut le dire, ensemble, 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 tu vois. Le nombre d'accolades que t'as. Ça va être comme en programmation, ça c'est un tableau de tableau, on va dire. Ça a plusieurs dimensions. Et ça, du coup, tu peux l'écrire comme l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tu as deux façons de l'écrire. Du coup, pour la suite, donc complémentaire, je vous ai dit que c'était ce qui n'appartenait pas à moi. Alors, il y a des petites propriétés à savoir sur un peu tout ce que je viens de dire. Il y a des petites propriétés, mais ça je crois que. Je sais pas si je vais vous lire. Si. Par exemple, pour l'intersection, si on a A inter B, qui est inclus dans A, et que A inter B est inclus dans B. Ouais, non, je vais peut-être pas les mettre tous, mais voilà. En gros, faut vous faire des dessins. A inter B. Donc, imaginez,
plus, il y a un C qui apparaît, c'est ça? J'imagine, on a A inter B qui est inclus dans A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B, il est là. Enfin, ça veut dire que l'intersection de A inter B est dans A. Ça veut dire ça. Oui, bah non, parce que je m'embête. Mais non, parce que je m'embête. Bon, en vrai, les propriétés comme ça, je sais pas où je voulais faire. Il y en a beaucoup et qui servent un peu à rien, en vrai. Si, par exemple, oh, vous savez quoi, on va faire ça. Par exemple, on peut faire ça. A inter B inter C, c'est égal à A inter B inter C. Ça, c'est un peu, c'est transitif, etc. Ça, vous allez avoir le faire, vous allez avoir mettre des parenthèses comme vous voulez, etc. Ça, ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est pareil pour l'union. Donc, si vous avez l'union, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre les parenthèses comme vous voulez. Des fois, ça peut vous permettre, en fait, d'aller un peu plus, d'aller un peu plus facilement, etc. Changer les parenthèses. Il y a aussi le développement pour les deux. Donc, pour les deux, il y a aussi le développement. Bon, des trucs comme ça. Ok. Il y en a un autre, un dernier qui doit être important aussi. Di la différence. Qu'est-ce que c'est? Donc, la différence, imaginons donc on a deux sous-ensembles. Donc, on a deux sous-ensembles. Deux sous-ensembles. Sous-ensembles. F et G. Ils appartiennent à E, donc de E. Donc les deux sont compris dans E. On note la différence en fait, F backslash G. En fait, c'est égal à l'ensemble des X appartenant à E. Ça, c'est parce que c'est normal. Parce que tous les éléments de F et de G appartiennent à E. Tel que X appartient à F. Et X n'appartient pas à G. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme le complémentaire. Mais c'est des sous-ensembles. En fait, la différence, c'est juste que ça s'applique sur des sous-ensembles, excusez-moi. Le sous-ensemble. Et le complémentaire, ça s'applique sur deux ensembles. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas trop de questions. Ok, donc on est là. Oui, on va quand même voir un petit truc. C'est le produit cartésien. C'est quoi le produit cartésien? Le produit cartésien, en fait, c'est ça. C'est E croix F. En fait, E croix F, c'est l'ensemble des couples. Ça marche quand même. L'ensemble des couples. Donc des éléments X, Y. Ou X appartient à E et Y appartient à F. Donc en fait, si on reprend nos exemples donc de 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, l'ensemble ça va être l'ensemble des couples ça va être 1, 1, 1, 2, enfin etc. Il faut prendre chaque élément avec chaque élément. Donc 1, 2, bon, faut que j'aille jusqu'à 5. On va faire N. 1, 5. Voilà. Donc il manque des trucs. Hein. Après, je vais faire 2, 1, etc. Donc, à faire la découpe avec tous les éléments. Même si c'est le même nombre, c'est quand même un couple. Donc, en ce qui concerne les ensembles, il faut vraiment apprendre des. On va faire les petits exos. On va prendre les définitions par cœur. Donc, on va faire des petits exos. Donc imaginez, on a A qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10.
Ok, on a. Du coup, je vais vous demander, en donnant une liste de leurs éléments, les ensembles suivants. Enfin, il faut décrire les ensembles suivants en donnant une liste. Donc, on a B qui est égal à l'ensemble des éléments de A, tel que X, inférieur à 5. Donc ça, vous me donnez un ensemble avec des nombres dedans. Pareil pour C. X, on a F, on va s'arrêter là. Pas copier. F, si c'est attends. F, si c'est P, D, je vous laisse les faire et après on va copier. G. H. Ok. B, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 1, 3, 4, c'est parfait. Et puis je vous laisse réfléchir un peu pour le reste. Et puis on va corriger ça vite fait. Putain, je sens qu'on va pas faire des erreurs. Je pense qu'on va faire plus. Bon, j'espère que vous êtes prêts à rester ici longtemps. Ça va être long. Bon, je pense qu'on va corriger les premiers déjà. Pense qu'on va corriger les premiers. Alors, comme vous l'avez dit dans le chat, tu peux voir ça. Le premier, donc c'est l'ensemble des éléments supérieurs à 5. Donc ça va être, enfin inférieur à 5, ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, les éléments supérieurs à 3, ça va être 4, 5, jusqu'à 10. Lui, j'ai à faire. Il faut aller vite. Les éléments pairs. Bah, c'est simple, hein. Ça va être tri à 0. On n'a pas 0, donc on ne l'a pas. Donc, on va avoir 2, 4, 6, 8 et 10. Les éléments de x, c'est que x est un multiple de 3. Bon, bah, on a 1. On a 3, on a 6, on a 8. C'est bon pour tout le monde? J'ai là-dessus. D, c'est good, D, c'est good, C, c'est good. Ok. Je vous laisse réfléchir un peu pour les trois autres. Le plus important. Ah, voilà. En quoi 1 est un multiple de 3? Bon, en fait. Oh, mon petit destin, pas du tout. Non, sauf que je peux diviser par 3 et ça fait. Non, c'est 3. Ouais, non, excusez-moi. Excusez-moi, non, il n'y a pas 1, il n'y a pas 1.
Je vais corriger les autres. Alors, B inter D. Ça veut dire quoi? C'est tous les éléments de B qui sont aussi dans D. B c'est 1, 2, 3, 4 et D c'est 2, 4, 6, 8, 10. Okay. C'est quoi les éléments communs? Bon, on a 2, on a 4 et c'est fini. Voilà. G c'est les éléments de F qui sont dans E. Ok. Bah, on n'a aucun élément commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, G c'est l'ensemble vide. À partir du moment où vous n'avez rien, c'est vide. Donc c'est l'ensemble vide. H, c'est égal à A complémentaire. Si on revient sur la définition de complémentaire, donc c'est ça. Oui, c'est la même chose. F complémentaire de G. H, oh merde, c'est le fond. La différence, excusez-moi. C'est la différence, c'est tous les éléments. Mais j'ai encore oublié un truc. Même par son pas, j'ai. C'est tous les éléments de F. Tous les éléments donc, de F qui n'appartiennent pas à G. Pourquoi F? Pourquoi on ne prend pas tout? F, c'est quoi? Ah oui, non, c'est l'union. Excuse-moi. Oui, non, non, c'est l'union, excusez-moi, excusez-moi. J'ai vu l'intersection. L'union, en fait, du coup, c'est bien ça, on prend tout. J'ai vu l'intersection. L'union donc de B et de D. Donc, B, donc 1, 2, 3, 4. 4. Et D, c'est tous les éléments pairs, donc il nous reste 6, 8, 10. Ok. Et du coup, là, c'est là l'intersection. Ok. Du coup, l'intersection de F inter E, donc c'est tous les éléments de F qui sont aussi dans E. Et du coup, c'est tous les éléments multiples de 3 et qui sont ici. Donc, ça va être. On retrouve 3, 6, et c'est tout. 3 et 6. Oui, non, c'est bon pour moi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Ah, c'est ça. Ouais, c'est nickel. Ok. Et du coup, pour H, c'est tous les éléments de A qui ne sont pas dans C. Donc, qui ne sont pas communs à C. On regarde A, c'est notre ensemble général, donc c'est 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, du coup, 10, c'est tous les éléments supérieurs à 3. Et bah, du coup, c'est tous les éléments qui ne sont pas supérieurs à 3. Donc, ça va être 2 et 3. Parce que 3, c'est égal à 3. Donc, un petit piège. Ici, c'est que les éléments qui sont strictement supérieur à 3, donc il n'y a pas 3, on comprend. Et du coup, dernière réponse, B inter H, donc B c'est 1, 2, 3, 4, et H c'est 1, 3. Et du coup, ça va être bah, 1, 2, 3. Tout simplement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Et du coup, même si on oublie, on peut rajouter un petit détail, c'est que I, c'est égal à H. Vu que c'est le même ensemble, les deux sont égaux. Parce que les deux sont inclus dans l'un dans l'autre. Bon, du coup, là-dessus, sur les trois ensembles, c'est fini. On va passer sur la suite des ensembles. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit sur ça, sur l'inclusion, l'intersection, etc.
Oui. Bah écoutez, bien. Donc on va passer sur une chose, sur le cardinal. Le cardinal, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments, tout simplement, de votre ensemble. Imaginez, vous avez un ensemble E qui est égal à 1, 2, jusqu'à n. Voilà. Bah, du coup, en fait, votre cardinal de E, c'est égal aussi à ça. Vous pouvez le noter aussi, il y a plusieurs manières de le noter. Entre barres E, et bah c'est égal au nombre d'éléments, donc 1, 2, 3, jusqu'à n, donc n. N éléments, tout simplement. Ça va être un peu important. C'est une question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dessus? Non, il n'y a pas d'autre. Le nombre d'injections, je peux vous parler. Injection, surjection, éjection des ensembles finis. Là, je peux en parler. Ouais, on a des petites propriétés à connaître avec l'injection et la surjection. Ça, on va le voir après l'injection, la surjection et l'abjection. Mais vu qu'on fait les ensembles maintenant, on va le voir maintenant et on reviendra après. On a deux trucs. Si F est injective. Ah ouais, non. Peut-être que je vous dise ce que c'est F. On a deux ensembles. On a E et F. Et F, c'est une application. De E dans F. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on prend un élément de E, on lui fait quelque chose, une fonction, on fait quelque chose, et après il va finir dans F, tout simplement. Donc, en gros c'est ça, c'est vous avez une boîte, c'est E. Vous avez une fonction, et vous avez la sortie qui est F, tout simplement. Et bah ça en fait on sait un truc, c'est si F est injective, on va savoir quelque chose sur le cardinal. Injective, en fait, on va avoir le cardinal de E qui va être inférieur ou égal au cardinal de F. Je vous laisse imaginer, si F est surjective, ça va être l'inverse. On va avoir le cardinal de E qui va être supérieur ou égal au cardinal de f. Et par contre, si f est bijective, on va avoir le cardinal de E qui est égal au cardinal de f. C'est peut-être tout bête dit comme ça, mais c'est très très important à connaître. Question pour l'instant. Eh bien écoutez, je vous propose. Ah, mais non, peut-être faire ça aussi. Alors, est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est que le nombre d'applications? C'est quoi le nombre d'applications? Il y en a qui le savent. Le chat. Je vous laisse taper un coup. Non, personne.
Je parle tout seul. Non, le nom d'application, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la fonction juste dessus. C'est le nombre de fois où on pourra appliquer la fonction. En fait, tout simplement. Et comment on sait ça? Comment on sait le nombre de fonctions qu'on a appliquées? Imaginez qu'on veut savoir combien de fonctions on a appliquées pour voir ça, en fait. Tout simplement. On va tout simplement faire le cardinal de E, pas de F. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours application, je vais mettre comme ça, application de E dans F. C'est toujours le schéma de dessus. En fait, le cardinal, on va prendre le cardinal de F et on va le mettre à la puissance du nombre d'éléments de E. Le cardinal de E. Tout simplement. Ça va nous donner le nombre d'applications. Différence, le nombre d'applications différentes, surtout, très important, de E dans F. Grand F exposant E, c'est parfait, c'est ça, c'est grand F exposant E. Nice. Alors, partie d'un ensemble, ça s'en fiche. Binôme de Newton, vous l'avez fait avec. Ok. Mais écoutez, je vous propose de passer aux applications. Aux applications. Parce que pour ça, c'est un peu vaste pour l'instant, les applications. Donc, c'est quoi une application? Une application. Donc, je vais faire comme ça. Application. C'est quoi? Soit, une petite définition, soit E et F. Deux ensembles et F une application, F qui va de E dans F. Donc c'est une fonction qui prend des éléments de Ah. Ah, bonsoir, bonsoir. Oui, je suis de retour. Excusez-moi, ça avait crash. J'avoue qu'autant faire un appel disque. En vrai, ouais, mais non, il y a quand même beaucoup de monde. C'est ça le problème. Il y a quand même 15 personnes. Vous savez quoi? Je vais faire un... Est-ce que je peux faire un sondage? Faire le sondage. Et bah non, bah, ah bah il y a des personnes. 10 personnes. En vrai, si vous voulez faire un, vous savez quoi, je vais me connecter aussi sur Discord. Je vais me connecter sur le sur la salle de cours 1. Ah ouais, non, c'est mieux. Sur général. Sur général, et je vous laisse vous connecter aussi. Si vous voulez. Et sur Back to Basic, bien sûr. Comme ça, si vous voulez me poser, comment dire, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez venir sur Discord et me parler en même temps. Il n'y a pas de souci. Ce sera plus simple, on va dire. Est-ce que vous y avez accès déjà? Ah non. Si, étudiant. Y a personne? Du coup, je vais quand même continuer. S'il y a des gens qui veulent venir. Voilà. Ok. Du coup, vous avez deux types d'applications.
Enfin, deux types. Ça, c'est une application. Mais vous avez deux, ouais, deux types d'applications. Vous avez l'image directe. Image directe qui se note f de a, donc avec enfin a un ensemble, donc c'est un ensemble, un sous-ensemble de e, donc, tel que a est un truc de e et que f va de e va de e vers f. Voilà. Ça c'est égal à l'ensemble des x, enfin des non, pas du tout. Des f de x tel que x appartient à. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait c'est l'ensemble des images, en fait c'est l'ensemble des résultats de la fonction de tous les éléments de A. Tout simplement. Donc ça en fait ça va être l'image. Ensuite vous avez donc l'image réciproque qui va se noter. L'image B, un ensemble B qui est inclus dans F, et on a toujours F qui va de E vers F. Du coup, on a quoi? Fait, B par l'ensemble. L'image réciproque de B par F, c'est l'ensemble, donc c'est noté F-1 de B. Donc en fait, c'est tous les antécédents de B. Donc c'est tous les éléments qui appartiennent à E, tels que F de X appartient à B. Donc en fait, c'est tout. Si vous prenez une patate, donc vous avez des petits points, là. Vous avez F qui fait comme ceci, choupe, choupe, et choupe. En fait, tous les éléments de B, donc de f de moins 1, c'est tous les éléments de x qui ont une image. Donc en fait, ça va être celui-là, celui-là et celui-là. Oh, mais dis pas que ça va ne remarcher que maintenant. Oh non. Allô? Vous avez loupé quoi comme partie du coup? Enfin, ça s'est arrêté où pour vous? Ah, j'ai fait. Ok, du coup vous avez ça. Donc vous avez f et f de moins 1. Très très important de connaître ces définitions par cœur. Voilà. Je pense même que je vais prendre un truc. On va faire des petits exos pour ça, pour les images, parce que c'est quand même très important. Laissez-moi sortir la clim. Laissez-moi sortir la fiche. Alors. Ah non, c'est l'injectivité, la subjectivité. Ok. On a fait F, etc. On va faire la subjectivité et l'injectivité. Qui est parti quoi là-dessus. Et puis après, on passera, je pense, à des exos. Alors, attendez. Faut que je ressens que. Excusez-moi. Non, 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 c'est bon.
Je vais réussir. Ok. Bon, j'espère que ça part au bélier. C'est quoi la différence entre A, B, F et E? Alors, si je reviens, E et F sont des ensembles de. Sont les. Comment dire, sont les gros ensembles. En gros, c'est des grosses patates. C'est des grosses patates. Donc ça, c'est F. Ça, c'est E, finalement. Ça, c'est F. Et en fait, A, ça va être. Dire ça. A, c'est un ensemble qui est dans E. En fait, A, c'est inclus dans E. En fait, c'est un petit ensemble. C'est une partie de l'ensemble. Tu vois, et après, il y a d'autres éléments ici. Et bah, A, c'est juste ça. Juste une partie de l'ensemble. Donc, en fait, si on voulait, t'aurais pu juste faire, par exemple, F, t'aurais pu faire F de E. T'aurais pu faire F de E. Ce serait tous les, ce serait F de X tel que tous les éléments de E. Et pour l'image réciproque, tu aurais pu faire F de F tel que tous les X appartiennent à E et tel que F appartiennent à aurais pu faire comme ça. Je sais pas si ça si t'as un peu mieux compris quoi que ce soit. Voilà. Et B c'est pareil. B c'est un sous-ensemble. C'est dans la patate F, exactement. C'est un bout de la patate F. Juste un petit bout de la patate F. Est-ce que c'est cool pour tout le monde là-dessus? Du coup, on va passer à la partie la plus drôle. La plus drôle du monde. L'injectivité et la surjectivité. Alors, on va déjà faire de la définition de l'injectivité. Soit F. Une application. De E dans F. Donc, ça se note comme ça. F, deux points, E, flèche, F. Cette fonction, enfin cette fonction, je peux dire fonction, mais c'est une application. Cette application est injective. Donc, F est injective. Est injective si et seulement si, et là vous allez avoir une petite quelque chose à apprendre par cœur, c'est pour tout élément, pour tous les couples, excusez-moi, x1, on va mettre plutôt y, x, y appartenant à e carré, donc à l'élément, à l'ensemble de départ, on a x1, on va le faire comme ça. On va voir. On a f de x qui est égal à f de y. Donc la fonction, donc l'image, voilà, c'est l'image de x et l'image de y sont égales. Ça implique que x est égal à y. Ça implique aussi un truc, c'est que si x n'est pas égal à y, bah, les images ne peuvent pas être égales. Et surtout, faites attention. Ça, j'aurais dû le mettre en rouge. J'aurais dû le mettre en rouge. Ici, vous avez une flèche dans ce sens-là. C'est très très important.
Donc ça, c'est vraiment à apprendre par cœur. Et du coup, vous en avez une deuxième sur GK. Tac. Donc, F sur j'active, ça fait quoi? Déjà, attendez, je vais peut-être vous faire un graphique. Je vais vous faire des patates. Pour F1 j'active. Je vais vous faire des patates. Parce que c'est la meilleure des choses, les patates. Ah, vraiment, ça ressemble vraiment à des patates. Ici, on a 1. On a 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. J'ai fait exprès de ne pas mettre le même nom. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc imaginez, je vais vous mettre deux fonctions. Donc de deux couleurs différentes. Il va en avoir une en bleu, une en rouge. Voilà. Donc f, elle sera en rouge. Ça va être ça. Ça va être une fonction, par exemple, pour 1, qui associe A. Pour 2, elle associe B. Pour 3, elle associe rien. Et pour 4, elle associe E. Ensuite, on a une autre fonction qui va être g, qui pour 1 associe c, pour 2 associe c, et pour 3 associe d. Du coup, vous avez g, enfin vous avez f et g. Il y en a une qui est sur g, il y en a une qui est injective et l'autre non. Si vous pouvez me dire laquelle est injective. Vraiment regarder la définition juste au-dessus. Vous allez pouvoir voir. Ah ouais? Comment ça, monsieur? Ah, parce qu'il faut tous les éléments. Excusez-moi. Il faut tous les éléments. Bon, je vais faire deux schémas, c'est rapide. Merci monsieur. On a ça. On a ça. Ah oui, et ça marche comme ça. Ça, on va mettre D. Ça, on va mettre E. Donc ça, c'est F. Et si on fait une deuxième patate. Oh mon Dieu. Bon, mon niveau en patate n'a pas augmenté. On a ça. Tac. 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 Et tac. Et là, on a G. Ok. Fonction d'associer une image à tous les points de l'ensemble des départs. Ok. Oui, c'est mieux comme ça. Ok. Du coup, voilà. Oui. Du coup, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire à quelle fonction est injective et à quelle fonction ne l'est pas? Il y en a qui sont présents. C'est sûr que ça change des 4000 personnes qui étaient présentes. Mais 1 peut avoir A, B, B. Mais 1 peut. C'est pas une fonction. Comment ça? Mais 1 peut avoir. 1 peut avoir. A, B, B. On n'a pas signé deux traits qui appartiennent à 1, c'est bon. Non, il n'y a qu'un seul trait qui part de 1. C'est ça. Il n'y a qu'un seul trait, donc 1. Donc par F, 1, c'est A. Et par G, G de 1, c'est A aussi.
Donc F est injectif, exactement. En fait, sur notre définition, on a donc cette partie-là. Donc si on a la même image, on a les deux éléments qui sont égaux. Actuellement, ici, on a à chaque fois une image qui n'a qu'un seul antécédent ou zéro. C, il y a zéro antécédent, donc ça rentre pas dedans, on s'en fiche. Du coup, on a A, bah c'est 1, il n'y a rien d'autre, donc jusque-là, on n'a pas de problème. Si on a la deuxième, on a A, c'est 1, on a B, A, c'est 2 et 3. Sauf que du coup, on a F de 2, enfin c'est G, excusez-moi, on a G de 2 qui est égal à G de 3, mais 2 c'est différent de 3. Donc, c'est pas injectif. On n'a pas la même. On n'a pas le même truc, le même antécédent, donc c'est injectif. Si vous voulez une petite phrase qui aide bien, c'est. Ah, je l'ai oublié. Tous les éléments. Non. Ah oui, c'est ça. C'est tous les éléments de l'ensemble d'arrivée à au moins. Non, au plus, excusez-moi, au plus une image. Enfin, un antécédent. Donc on a tous les éléments donc, de F qui ont au plus une image. Enfin, un antécédent. Enfin, ça marche pas. Oui, non, au plus un antécédent. C'est bon. Si vous avez deux antécédents pour une image, c'est pas bon. Sauf s'ils sont égaux, mais par le temps, on les supprime. Si on ne se mange pas les pensées, oui. Désolé, monsieur. Donc, c'est ça. C'est injectif. C'est. C'est toutes les images qui ont au plus. Non, c'est toutes les images qui ont au plus un antécédent. Donc, ça peut être 0 ou 1. Je vais réussir. Si on fait F de moins 1 de A et B, c'est égal à 1, ça se dessine comment? Bah, ça se dessine comme ça. Tu vas avoir, donc ici tu vas avoir F, donc tu vas avoir A, B, A, B, C, D, E, et ici tu vas avoir une autre data, donc avec 1, 2, 3, 4, là tu veux F de moins 1, bah, ça va se dessiner comme ça. Donc A, ça va donner 1, B, 2, si je me trompe pas, ouais. 3 ça va donner, enfin C ça donne rien, je n'ai rien, tac, et tac, voilà, c'est simple. Comment ça complètement faux monsieur, comment ça, hein, arrêtez, quoi, c'est pas comme ça, ah ouais. Ah non, il faut qu'il y ait des images. Enfin, faut qu'il y ait tout des écrit partout. F de moins 1 en tant que fonction n'existe pas. Ah! C'est comme ça, voilà. Donc, on peut pas le dessiner. F de moins 1. On peut que l'écrire. Ok. Ok. Donc, on peut que l'écrire ça. Ou alors, tu le repères comme ça. Dans l'autre sens. Ok, donc F de moins 1, c'est juste tu l'écris. Excusez-moi. On dessine pas F de moins 1, on peut représenter une fonction F qui vérifie F de moins 1 à B. Ok. Là, ce qu'on demande, c'est ça. Mais on peut pas juste s'appeler. Non, tu es obligé de le garder B. C'est important. En fait, tu as deux antécédents. Non, parce que sinon, c'est plus le même ensemble, en fait. C'est plus le même ensemble. Et du coup, bah, c'est plus la bonne réponse. Faut vraiment que tu gardes le même ensemble. Donc, faut que tu n'enlèves aucun élément. Même s'il te gêne, tu le gardes. Oui, mes chers. Ah. Du coup, t'as pas le droit de relire. Enfin, ce que j'ai fait là, le dessin de
l'ensemble F à l'ensemble G, donc de des lettres au nombre, t'as pas le faire. Parce qu'en fait, du coup, il te manquerait un trait qui partirait de C. Et puis, comme l'a dit le prof, f de moins 1, tu peux pas le dessiner. C'est pas une fonction en tant que telle. On a eu dans le télé. J'avoue que je suis chaud que tu me dises ce que t'as vu. Parce que j'ai pas le télé moi. Exercice de pensée. J'ai pas les exos. Alors, du coup Romain pour répondre, parce que j'ai pas le télé du tout. Dans le télé. Ah oui, voilà. Vous pouvez faire ça, ok. Du coup, voilà. Ça sera toujours, comme le prof l'a dit, ça sera toujours un dessin donc de E dans F. En fait, ce sera, vous représentez que la fonction F, à chaque fois. Mais du coup, vous pouvez avoir des conditions. Par exemple, si on vous dit que F de moins 1 de A, B, c'est égal à 1, donc comme dans notre cas. Faudra bien dessiner. Du coup ici c'est pas ce cas-là, c'est BC. B et C, c'est égal à 1. Enfin c'est égal à 1, c'est pas égal à 1, du coup. Ce que je raconte. C'est non, non. Non mais du coup c'est différent. C'est f de moins 1 de B et de C est égal. Non, toujours pas. De B qui est égal à l'ensemble, voilà. À 2 et 3. J'étais en train de faire les surjectives là. Les accolades grecques, oui, c'est un ensemble, c'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Voilà. Comment ça, oui, non, ça veut rien dire, parce que du coup, c'est qu'un seul élément. À chaque fois. Ok. Du coup, en fait, vous pouvez avoir tout simplement des conditions comme celle-ci. On peut vous dire, par exemple, représenter donc, la fonction f. Donc d'une manière, enfin, d'un schéma, avec des conditions comme celle-ci. Par exemple, vous pouvez avoir aussi f de moins 1 de d, qui est égal à l'ensemble 4. Ensuite, vous pouvez avoir, du coup, ça serait f de moins 1 de a, qui serait égal, c'est après, de a, qui serait égal à l'ensemble 1. Et du coup, à partir de ça, vous pourriez redessiner exactement... ce schéma, si on sait que c'était F, parce que c'est gênant. Voilà. D'accord. Tour de B aussi. Ah, ok. J'en mets des parenthèses. Ok. C'est pas la fonction f moins 1 juste en... Ah! Oui, c'est l'antécédent, non. Mais c'est les antécédents de l'ensemble. Ok. Il y a les deux. Ah, ok. Ah oui, c'est l'antécédent de l'ensemble. Ok. Je vais afficher que les parenthèses pour ça. Voilà. Ok. Bon, du coup, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire la surjectivité. Bon. Surjectivité. La surjectivité. Donc, soit F, toujours, avec E et F des ensembles. Donc, soit F, une application. De E dans F. Donc, comme toujours, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ceci. C'est la même écriture. F est surjectif.
Si et seulement si. Pareil, à apprendre par cœur pour votre contrôle. Il y en a au moins une des deux qui sera demandée, voire si c'est pas les deux. Mais ça va vous servir jusque. Bah déjà jusqu'au S4, ça, enfin jusqu'au S3, ça c'est sûr. Donc, tel que. Attends. Donc, c'est un. J'ai perdu moi. Tel que Y est égal à F de S. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que tous les Y, donc toutes les images, elles ont au moins un antécédent. Donc en fait, ça c'est les images. Et ça c'est les antécédents. Donc en fait, on a une image qui est égale à un antécédent. Enfin, qui est égale à la fonction, enfin à l'application sur un antécédent. Donc, la condition implique que f de... Ah, ok. Ok. Du coup, voilà. Donc, on va faire un petit schéma, encore une fois. Hein. On va faire deux. Du coup, on prend une patate. F, enfin E. Donc, avec 1, 2, 3 et 4. Et après, on peut prendre... Je prends une petite patate, par contre, A et B. Donc, ça, c'est F. Donc, en fait, la fonction F... C'est, si on regarde bien, c'est que tous les antécédents, enfin toutes les images, ont au moins un antécédent. C'est il existe, mais pas un unique. C'est il existe un X. Donc en fait, on pourrait avoir ça. Donc on pourrait avoir 1 qui est l'antécédent de A, 2 qui est l'antécédent de A, et 3 et 4 antécédents de B. Donc on voit bien que F, enfin que toutes les. Que toutes les images ont au moins un antécédent. Ils n'en ont pas 0, ils en ont plus que 1. Donc c'est nickel. Par contre, si on dessine 1, 2, 4, A et B, si on dessine quelque chose comme ça, donc que tous les antécédents vont vers A, là, ici, on n'est pas surjectif, parce qu'on peut voir que B, il a aucun antécédent. Et ça, c'est pas bon. Si je t'envoie les autres 2-6 en MP sur Discord, tu penses pouvoir le faire? À mon avis, ils en ont besoin. 2-6, ouais. Bon, envoyez-le moi et on va voir ce que je peux faire. On va voir si j'arrive. J'espère. Hop, alors. Ok, merci beaucoup. Copie l'image. Oh, attends, je la rentre. Oh. Ok. Pour chacune des propositions, dessinez le graphe d'une fonction f de 1,4 de 1,5 qui permet de vérifier. Ok. Alors, ici, du coup, quand on dit, on a une fonction de e dans f. Donc on a deux ensembles, donc E c'est égal à 1, 4, donc c'est tous les nombres de 1 à 4 compris, et F c'est tous les nombres de 1 à 5. Donc en fait on va avoir deux patates. Donc ça va être E, l'ensemble de départ, qui est égal à, enfin qui a tous les nombres de, donc 1, 2, 3 et 4. Et après on va voir F. Qui lui a 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, première fonction. Donc, dessiner. C'est dessiner le graphe d'une fonction f. Ok, donc c'est. Je dois dessiner 4 graphes. Ok. 4 graphes. Donc, on va faire le premier. La première fonction, on dit que f de 1 et 4, enfin de f de 1 à 4, c'est soit égal à 1, soit égal à 4.
Donc en fait, ça veut dire que toutes les images de l'ensemble E, parce que actuellement c'est tout l'ensemble E, 1, 4, bah c'est soit égal à 1, soit égal à 4. Donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'en fait vous avez un peu le choix. Vous pouvez faire n'importe quoi tant que vous avez 1 et 4 qui ont des antécédents. Donc on peut faire ça par exemple. Voilà, on a ça. Graphe est graphe, oui, non, j'ai dit graphe. Oui, j'ai patate, patate, patate. Pas l'habitude de dire patate, non. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Donc, en fait, si on vous dit que l'image de l'ensemble 1, 4, donc 1 à 4, donc l'ensemble de départ, et ben en fait, il a deux possibilités d'image. Il a 1 ou 4. Donc ça peut être ça, ou ça peut être, je sais pas moi, si vous prenez 2 et que vous le mettez sur 4, ça marche aussi. Tant que 1 et 4 ont des antécédents. Et tant que votre ensemble de départ a. Ah, il dit graphe aussi, c'est pour ça. Et tant que votre ensemble de départ a une image. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Je vais supprimer ça. Faut peut-être pas dessiner de flèche pour la prochaine fois. Du coup, voilà. Ensuite, le premier, si on vous dit que 3 et 4 ont comme antécédent 1 ou 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 et 4, on va les prendre. Et ben en fait, ils ont comme antécédent 3 ou 4. Donc ça peut être. C'est 1 et 2. C'est 1 et 2. C'est 1 et 2. 4. 1 et 2, ils ont comme antécédent 3 ou 4. Du coup, on peut faire ça. Tac. Ça, il n'y a pas de souci. On pourrait inverser les deux. Et puis voilà. Vous remplissez la condition. Mais par contre, attention, attention. Voilà. Allez. C'était très très bien. Du coup, vous avez ça. Mais par contre, là, vous n'avez pas fini. Là, c'est pas correct. Vous avez des antécédents qui n'ont pas d'image. Par contre, attention, ne remettez pas sur 1. Enfin, vous pouvez, hein, mais on va éviter. Enfin, vous pouvez éviter quand même. Du coup, les deux de part. Voilà. Du coup, vous avez fini. Vous avez bien respecté la condition que 1 et 2 ont comme image 3, enfin comme antécédent 3 ou 4. Et le reste, bah vous avez vous êtes libre, totalement libre. C'est fou. Ah! Bah f de moins 1 de. Attendez. Moi aussi je suis perdu à ce point-là. De l'ensemble 3, 4. Ah, c'est l'inverse. C'est des images, 3 et 4. Que f de 1. Ah! D'accord. De 1. Ah oui! Moi j'ai inversé. En plus j'étais parti bien au début, moi. J'étais bien parti au début. Oui. Je vais le noter. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. On a ça, cette fonction-là. Donc 3 et 4 est égal à 1, 1, 2. On a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici on a notre ensemble, enfin nos images. Et ici on a nos antécédents. Ça veut dire qu'en fait, f de 1 est égal à 3 ou 4 et que f de 2 est égal à 3 ou 4. En plus, j'étais bien parti au début. J'étais bien parti. Ouais, du coup, voilà. Du coup, vous avez la condition. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Vous pouvez faire, du coup, comme on vous l'avait dit, ça. C'est 2. Ça. Ou inversé.
et 4. Et le reste, du coup, vous mettez où vous voulez. Tant que c'est pas. Enfin, vous pouvez même remettre sur les mêmes images, mais voilà. Tant que vous respectez la condition que les images de 1 et 2, c'est 3 et 4. Sinon, ça serait. Okay. Ah oui, non, ok. Valny, ok. Non, surtout pas. Non, 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 ok. Surtout pas, sinon il serait dans l'ensemble. Ok. Ok. Donc surtout pas. Okay. Et du coup, on a F. Je vais mettre comme ça. F de 3 différent de 3, 4. F de 4 différent de 4. De 3, 4. Voilà. Bon, comme ça, on est sûr. Bon, on va faire les autres. Ça va être pas plus simple, mais voilà. Du coup, si on reprend les autres, ça nous donne. On a donc la prochaine, c'est f de l'ensemble, donc juste f de l'ensemble 1, 2, qui est égal à 3 ou 4. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de 1, 2, donc des antécédents 1 ou 2, c'est égal à 3 ou 4. Du coup, on a 1 qui peut être égal à 3 ou 4, 2 qui peut être égal à 3 ou 4, et le reste qui est différent. J'ai hâte du dernier. Merci, monsieur. Bon, du coup, voilà. Donc ça, c'est, on a fait exactement en fait la même chose que juste avant que la 2. C'est juste qu'on l'a fait de, on l'a écrit d'une autre façon, de la façon inverse. Du coup, voilà. Ça, F de 3, F de 4, ok. Du coup, ici, si on prend F de moins 1 de l'ensemble 2, 3, 4, donc, qui est égal à l'ensemble. Non, justement, c'est pas la même. Ah ouais? Ah non. Non, quoi? On a eu la même patate. Enfin, on a eu les mêmes conditions. On peut avoir des patates différentes, mais les mêmes conditions, là. Pas dans le 2 points. Dans le 3, on peut très bien avoir F de 3. Ah, ok. Avoir F de 3. Ok. C'est ça la différence. Ah, c'est pour ça qu'on peut avoir les mêmes dans F de moins 1. Et par contre, ok. Dans F, on peut avoir les mêmes. Si on veut. Ok. Bon, du coup, ici, qu'est-ce qu'on veut? On sait que. Que l'image, enfin que l'antécédent 1, il a comme image 2, 3 et 4. Enfin, 2, 3, 4. Donc, f de 1, ça peut être égal à 2, 3 ou 4. Et du coup, f de 2, ça peut pas être égal à 2, 3 ou 4. Pareil pour f de 3, pareil pour f de 4. Il faudra que ça soit autre chose. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on. On va déjà faire f de 1. F de 1. On nous a dit que ça pouvait être égal à 1 des 3. Donc, 2, 3 ou 4. C'est vous qui voyez. Je vais le mettre sur le 2. Vous aurez pu le mettre sur le 3, sur le 4. Non, non, peut-être. Du coup, par contre, pour le reste, comme on a f de moins 1, et comme on a dit que du coup, que f de 2, f de 3, f de 4, ça ne pouvait pas être égal à 2, 3 ou 4, vous avez juste à les mettre au pas. Donc par exemple, on peut avoir f de 2 qui est égal à 1, ça on a le droit. F de 3 qui peut être égal à 5, et f de 4 qui peut être égal à 5. Vous avez des antécédents qui ont une image, enfin tous les antécédents ont une image, et par contre,
tous les images n'ont pas un antécédent. Bon, la question est-ce que vous voulez en faire d'autres? Si on peut en faire d'autres, on peut faire par exemple. Je pense qu'on va en faire d'autres. Et je vais vous laisser un peu réfléchir. Je sais pas si j'en ai. Je crois que j'en ai. Sinon, on va inventer, hein. C'est pas de soucis. Mais je pense. J'ai fait la surjectivité, j'ai fait ça. Ok. Est-ce qu'on fait d'autres exemples ou pas, monsieur? Et on dit si c'est surjective et injective. En plus. Je pense que je vais faire ça. Ce message. Dans l'examen de cours des PC, ils ont eu F de 1,4, 1,5, qui est injectif, mais qui veille. Ok. Alors, on a 1,4. On a F. On a F. Ok, qui n'est pas injectif, ok. Non, c'est pas ça du tout. Ok, mais non, c'est de 1 à 4. Qui n'est pas injectif, mais qui veut. Enfin, qui n'est pas. Pas injectif mais qui vérifie f de moins 1 est égal à enfin, f de moins 1 de 2 3 okay. Est égal à ok qu'est-ce que ça veut dire franchement je me rappelle ok ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait l'antécédent 1 il a comme image 2 ou 3. Il a l'antécédent, donc ça c'est égal à 2 ou 3. Du coup, le reste, c'est différent de 2 ou 3. Partout. Partout. Hop, c'est différent de 2 ou 3. Attention. Donc, déjà, on va mettre f de 1, on va mettre 2, par exemple. Sauf que, on doit vérifier aussi que ce ne soit pas injectif. Injectif, c'est quoi? Si on revient à notre définition, injectif, c'est que tout. C'est que tous les antécédents ont au plus que toutes les images ont au plus un antécédent. Donc, il faudrait qu'en fait, f de 3 et f de 4, ça soit égal, je sais pas moi, à un nombre différent, donc par exemple à 1 et 5, mais ça serait injectif. Ça, c'est injectif. Parce qu'ils ont tous un antécédent, en fait. Ou 0. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, il faudrait que ça soit le même. Il faudrait que ça soit 1, 1. Il faudrait que ça soit 4, 4, 5, 5. Il faudrait que ça soit le même. Donc en fait, on aurait. C'est pour ici aussi. Il faudrait que ça soit le même. Du coup, en fait, on aurait 2, 3, 4 qui seraient égales, je sais pas, moi, par exemple, à 4. Ou par exemple, le 4, on pourrait le mettre sur le 5 aussi. Voilà. Et en fait, on a bien respecté comme quoi 1, il a comme image 2 ou 3. Voilà, ça on l'a respecté. Et que ce n'est pas injectif, car on a une image qui a deux antécédents. Donc ça, c'est injectif. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je pense qu'on va faire un autre exemple. On va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que j'en ai des exemples? Tac, si j'en ai des exemples. Je crois bien. Non, j'ai pas. Ok, pas d'exemple. Okay.
C'est clair, on peut faire avec sur objectif. Comment ça? Ah, si vous voulez qu'on soit pas surjectif, imaginons qu'on ne veuille pas que ça soit surjectif, donc pas surjectif, il faudrait faire autre chose. Surjectif, c'est quoi? Surjectif, c'est que les images ont au moins un antécédent. Bah actuellement en fait on peut pas faire surjectif parce qu'en fait à partir de ce moment-là la fonction peut pas être surjective. L'application. Parce qu'en fait, il y en a un des deux, deux ou trois, qui n'aura pas d'antécédent. Donc déjà, on peut pas être surjectif. Mais après, si on faisait, je sais pas moi, par exemple, on faisait autre chose, un autre exemple, si on faisait F2, imaginons on faisait F2, 4, qui est égal à 101, qui est égal à 1, ça ferait quoi? Ça ferait que tous les antécédents donc, de 2 à 4, c'est tous les trucs, sont égaux à 1. Bah c'est pas non plus surjectif, hein. Ça marche pas. Ça marchera pas non plus. Non, rester sur les patates, en tout cas, pour ces exemples. Mais peut-être faire un exemple avec une vraie fonction. Ouais, ça j'en ai par contre. Oui, déjà, oui, parce qu'il y a un cardinal supérieur. Il y a un cardinal supérieur. Puisque pour être surjectif, il faut que carte de f soit inférieure ou égale à carte de exact. Ok. Bon, on va faire un exemple avec une vraie fonction. J'en ai une sympa. On a donc toujours dans les mêmes. Donc on a f qui va de, on avait dit, 1 à 4. Tac, 1 à 4. Et de 1 à 5. Et qui associe donc n à 2n. Je pense que ça devrait être pas mal ça. Okay. Ici, on va faire une patate. Faire une patate. On va calculer, on va faire une patate. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Si on calcule f de 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. F de 2. Ah, mais ça marche pas. Voilà, il faudrait plus de patates. C'est peut-être un peu beaucoup là. F de 2, ça serait 4. Et F de 3, déjà, on dépasse. C'est la 6. F de 4, c'est égal à. On va rajouter des patates, peut-être. Il y a un petit souci, oui. Il y a un petit souci. On va rajouter. Bah non, du coup, ça marche pas. J'en ai pas une qui pourrait marcher. Ça aurait été. Il aurait fallu prendre de n dans n. Ouais, c'est pour ça. Bah, on va faire de n dans n. Hein. Ça sera mieux. Faire n de n. Ok. Bon. Alors, comment on fait d'un ensemble vers un autre ensemble qui est infini? Déjà, on peut savoir que n'importe quel n. Ça sera égal à 2n. Donc déjà que tous nos antécédents ont une image. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut savoir? On peut savoir que par exemple, si on prend un nombre n'importe lequel, si on prend l'image, imaginez on veut calculer f de moins 1 de 1. Ensemble, excusez-moi. Là, c'est égal à quoi? Bah, en fait, c'est égal à rien.
Parce qu'actuellement, ici, on ne peut avoir que des nombres pairs. Donc en fait, on n'aura jamais d'image impaire. Donc pas d'image impaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ce n'est pas surjectif. Donc ça, pas surjectif. Car on n'a que des images paires. Du coup, tous les impairs, ben, on les aura jamais. Pourquoi j'ai... Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'on peut savoir si c'est injectif? Injectif, je vous le rappelle, c'est quoi? Injective, si on trouve une définition, non, non, non. Injective, c'est que pour toute image égale, elles ont le même antécédent. Bah, si on regarde, si on en prend quelques-unes, en fait, très clairement, ce sera le cas, ça sera injective. Parce que n'importe quelle n, il sera égal. Par exemple, si on prend, je sais pas, on prend 8, et si on divise par 2, ça fera 4. Et ainsi de suite. Si on prend 6, on divise par 2, ça sera 3. Et en fait, à chaque fois, ça sera tout simplement un antécédent unique. Et avec 0,5. Hein. Ce n'est pas un entier 0,5, mais voilà. Ce n'est pas un entier. Il faut faire attention à ça. Et du coup, voilà. Et du coup, notre fonction f n'est pas surjective. Parce que, par exemple, bah, 1. C'est quoi on va faire? L'ensemble de n appartenant ça, tel que n est impair. Et bah, ils n'ont pas d'image. D'image. Donc tous les nombres impairs, ils ont pas d'image, pas d'antécédent, pas d'antécédent. Antécédent. Voilà. Par contre, F est injectif. C'est pas. Je pense que je vais vous en donner une autre. Là, il va durer un peu plus, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le temps qu'il faut. Je vous en donne une autre de plus. Je vais vous donner. Là, ça va être un peu plus intéressant. Si je vous donne f2 de z dans z, donc des entiers relatifs dans les entiers relatifs, et qui associe n, quoi n, qui associe x, ce sera mieux, à moins x. Et je vous laisse un peu réfléchir. Je vous laisse écrire dans le chat votre réponse. Vous devez juste me dire si elle est surjective, si elle est injective, et si elle est objective aussi. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne soirée. Je vais peut-être je vais rester 1 heure de plus, je pense, pour faire le maximum.
Comme Roman vous l'a dit, n'hésitez pas à lui envoyer des questions sur Discord si vous avez la moindre question, que ce soit après le live, quoi que ce soit. Je vais essayer de plus en faire, monsieur. Là, c'est bon. Le reste, après, ça devrait aller. Mais voilà. De toute façon, on va faire plein d'exos et puis voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez un peu réfléchi ou pas du tout? Vous voulez qu'on passe à la correction directement ou... Je vous laisse encore du temps. On va corriger. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé quelque chose? Ok, on va passer à la correction et puis let's go. On va en faire d'autres après, on s'inquiète pas. Alors, pour celle-ci, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Calculons déjà. Déjà, on va calculer f de x. F de x, comme vous pouvez le voir, c'est égal à moins x. Donc, dans un premier temps, en fait, on pourrait penser que on n'aurait que en image. Que des nombres négatifs. Mais non, parce que x, il peut être négatif aussi. Il peut être moins x. Enfin, ça peut être négatif. Et du coup, ici, ça serait x. Et en fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes vos images ont un antécédent au moins. Donc déjà, elle est surjective. On peut arriver à n'importe quel nombre. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que par exemple, si on prend, si ici on prend moins 3, est-ce qu'il y a deux f de x qui sont égales à ça, qui ont la même image? Bah non, on n'a que f de 3. Donc si on fait, si on faisait autre chose, en fait, ce serait toujours f de 3 égale à moins 3. Et par exemple, bah, en fait, on aurait toujours la une unique, voilà, on aurait une unique. Un unique résultat. Donc elle est injective. Et donc elle est surjective. Voilà. En fait, je vais vous dire un truc. Imaginez que cette fonction, bah, c'est la même chose que ça en fait. X associé à x. En fait, du coup, ça serait que n'importe quel x, c'est son image et elle est unique. Et que chaque image a un seul antécédent. Si on a un moins en plus, ça veut juste que ça inverse. J'ai tout. Mais c'est exactement la même chose. Donc elle est bijective. Ce que j'ai raconté. Bijective. Ok, on va en faire une autre. Bonsoir. On va en faire une autre qui va être plutôt sympa. Ça va être F3.
Qu'est-ce aussi le de réel? Les réels vers les réels qui associe x à x carré. Ok. Je vous laisse réfléchir un petit peu de temps dessus et on va corriger celle-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes heureux? Comment ça, directive? Tu vois, du coup, directive. Moins 6, c'est bon. Surjective, ok. Est-ce que c'est vraiment surjective? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est surjective? Bah, en fait, c'est très simple. C'est très simple. En gros, tu peux imagine que tu vas avoir moins 0,5. C'est possible. Ça là, F2 moins 1 de ça, de l'ensemble 0,5, c'est égal à 0,5. 0,5, très moche. Ensuite, si on fait F moins 1 de 0,5 cette fois-ci, bah lui aussi c'est possible. C'est moins 0,5. En fait, vu que tu as les nombres positifs et négatifs, dans tous les cas, tu pourras avoir les nombres négatifs et positifs. Z, c'est possible. En gros, Z, c'est les entiers relatifs. Donc en gros, c'est possible. C'est. Excusez-moi, ça. Ah si, moi. Non, Z, ça comprend pas les virgules, justement. Oui, c'est ça. Ça comprend les négatifs. Et les positifs. Et pas les virgules. Donc 0,5, ça dégage. Donc par exemple, moins 2, c'est 2. Et par exemple, 2, c'est moins 2. Et vu que tu as tous les nombres négatifs, tu peux avoir tous les nombres positifs. Et vu que tu as tous les nombres positifs, tu peux avoir tous les nombres négatifs. Donc en gros, imagine, je vais te faire un autre schéma. F, donc 2. Moins 1, je vais faire un truc comme ça. De l'ensemble, donc de moins l'infini à 0, exclu, je peux le faire comme ça, hein. Je peux l'imaginer comme ça. Bah, ça va être égal à l'ensemble, donc, vu que c'est tous les négatifs 0, donc, ça va être de 0 à plus l'infini. Et si tu fais f de moins 1, cette fois-ci de 0 plus l'infini, c'est égal à justement l'inverse, donc moins l'infini, 0.
Si tu prends un nom très petit, négatif, son image, ce sera un nom très grand, positif. Mais du coup, il y a des noms à virgule qui ont... Oui, mais justement, attention. Si tu regardes bien, ça va de Z vers Z. Donc en fait, tes deux patates, il n'y a que des nombres. Des nombres sans virgule. Par exemple, moins 1, etc. Et si tu vas voir, moins 2, moins 1, 1, 2. T'as aucun nombre à virgule ici. Ça va du même vers le même. Ça va de Z vers Z. Par contre, si ça allait, je sais pas, par exemple, de Z vers R, là oui, ça serait ni surjectif, ça serait pas surjectif. Parce qu'il y aurait des nombres à virgule qui n'auraient aucun antécédent. Mais cette fois-ci, non, on est bien sur Z. Ok, en fait, je m'embrouille en dessinant les graphes. Ah oui, attention. En gros, il faut vraiment que tu fasses gaffe à ton. À tes deux ensembles, ton ensemble de départ et ton ensemble d'arrivée. Bon, du coup, pour le prochain, cette fois-ci, on est dans R et on va dans R. Donc là, il y a les nombres négatifs, les nombres à virgule, etc. Donc, si tu dessines, bah, par exemple, là, tu peux dessiner ton graphe, hein, il n'y a pas de souci. Là, on peut dessiner un graphe. Si tu dessines le graphe de x carré, ça fait quelque chose comme ça. Bon, elle est très moche. Ça fait un truc comme ça. Mon Dieu. On va dire que c'est un truc comme ça. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Si on regarde, ça, c'est nos images, c'est nos antécédents. Excusez-moi. Et ça, c'est nos images. Bah, si on regarde, tous nos antécédents, ils ont une image. Par exemple, si on prend 1, on peut voir que c'est 1. Ça va faire 1. Donc, f de 1, c'est égal à 1. Mais attention, parce qu'on a aussi f de moins 1. Égal, donc on a f de moins 1 qui est égal à 1. Donc, comme on l'a dit, on a f de 1 qui est égal à f de moins 1, ça implique que, si on ça implique quoi, on a, mais par contre, comment dire, ici on pourrait utiliser quelque chose de l'injectivité. L'injectivité, si on y retourne, c'est f de x et f de y sont égaux, ça implique que x et y sont égaux, si elle est injective. Mais actuellement, vu qu'on a moins 1 qui est différent de 1, ça peut pas être injectif. Ok. Est-ce que c'est surjectif? Est-ce que toutes nos images ont un antécédent? Bah, si on prend ici, on peut voir que oui, à chaque fois, il y a un antécédent, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, il n'y a rien. Donc, elle n'est pas surjective. Parce que c'est cool pour tout le monde. Donc en fait, celle-ci, elle est la fonction x carré, elle est rien du tout. Par contre, si on prend la fonction, je vais faire une autre. Si on prend la fonction, voilà. Si on prend cette fois-ci f4, et là c'est, faut vraiment faire attention au domaine. Donc de r dans r plus de qui associe x à x carré. Cette fois-ci, elle est quoi? Je vais laisser un peu de temps pour réfléchir. Si.
Vous voulez faire sinus après? Exactement, c'est surjectif. Si on reprend notre graphique, juste au-dessus, je vous avouerai que. Si on dessine une fonction carrée, voilà, on ne croit plus. Alors, si on prend une fonction carrée, on l'avait dit, elle est pas injective, elle est toujours pas injective, ça change pas. Par contre, on va s'intéresser à surjective. On avait dit qu'elle n'était pas surjective parce que ici, on n'avait aucune image. On n'avait aucune image, mais cette fois-ci, il faut faire attention, on est sur R+. Donc en fait, ce qu'on regarde, c'est uniquement ça. Donc en fait, les images qu'on regarde, c'est que cette barre. Donc en fait, ici, bah, on peut voir que toutes les images ont un antécédent ou plusieurs, enfin, ont au moins un antécédent. Donc en fait, elle est surjective. Maintenant que la question que je me pose. On va faire ça. Je vais vous mettre un petit exo. Cette fois-ci, je vais vous laisser réfléchir pour lui. Je vous laisse réfléchir un peu à celle-ci. Et puis, on corrige dans 2-3 minutes. Et je pense qu'on finira là-dessus. Ou alors, si vous avez des questions après ou quoi que ce soit, des exos que vous voulez revoir, vous en jetez un petit. Et vous m'écrivez en réponse tout ce que vous avez trouvé. On le tient. Bien, vous avez trouvé ça? Hein? Que ça reste le message. Alors, comment on résout ça? Bah, c'est passionnant. Hein. Surtout que là, on peut le faire. Hein. On va de 1 à 5, de 1 à 5. Voilà. Les patates deviennent de plus en plus moches. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On vérifie que 1, 2 et 5 sont égaux à 1 ou 4. On peut faire ça, donc on va mettre 1 avec 1, 2 avec 1 et 5 avec 4. Ok. Bon, le reste, bah, le reste, vous le mettez où vous voulez. Hein. Par exemple, on peut faire ça. Voilà, on peut faire ça. Et du coup, votre fonction, elle est quoi? Bah, actuellement, elle est surjective. Mais, imaginez qu'on fasse ça. Imaginez. Bah, non, elle est pas, déjà, elle est pas surjective. Là, elle est. D'accord. En fait, elle a rien.
Voilà, elle est ni injective ni surjective. En fait, elle est rien du tout. Parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près. Bah, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Faire ça. Voilà. C'est ni injective, ni surjective. Bon, on va faire. Maintenant, il y a d'autres questions. C'est. Cette fois-ci, on a 7 conditions. Et on a enfin la deux, on a plusieurs conditions. Donc je vous laisse dessiner un graphe tel que bah, ce graphe remplisse ces conditions. Ah, c'est quoi l'ensemble? C'est pareil. C'est 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Ou les deux. Ça change pas. Tac, je vais corriger. Puis... Alors, on va refaire des patates. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez votre patate. On vous dit que F doit être bijectif. Ça, on s'en occupera à la fin. Tel que f de moins 1 de l'ensemble 3, 5 est égal à l'ensemble 3 et 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 3 c'est égal à 3 ou 4. Et que f de 5 c'est égal à 3 ou 4. Pareil. Donc là, attention. Si vous mettiez par exemple f de 3 et f de 5, enfin, donc 3 et 5, tous les deux sur 3, ça ne marchait pas, parce que du coup, elle serait pas injective. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien les séparer. Donc, f de 5, on va le mettre sur 4. Ok. Bah maintenant, vous avez un peu de liberté. Si vous voulez qu'elle soit surjective et injective, en fait, il faut juste relier tous les points à tous les points. Donc, tous les points restants. Hop. Et du coup, il nous reste 4 et 5. Comme on peut voir, chaque image a un antécédent. Et chaque antécédent a une image. Du coup, elle est bijective. Ça va pour tout le monde? Donc, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas mettre
3 et 5 sur le même tour. Bon, du coup, après ça, est-ce que vous avez des exos que vous voulez refaire ou quoi que ce soit, un petit exo du TD ou un truc que vous avez vraiment pas compris? C'est bon. Il n'y a pas de réponse. Du coup, c'est bon pour tout le monde ou pas? Vous avez à peu près tous compris, ou il y a une notion que vous ne comprenez pas, quoi que ce soit. Je vais vous envoyer une fiche. Bon, je vous l'enverrai juste après parce qu'il faut que je la modifie un peu. Une fiche. Voilà. On pourrait refaire partition. Partition, partition. Qu'est-ce que tu entends par partition? Application, société, comment ça partition? J'avoue, je vois pas trop c'est quoi la partition quand je lis ça. C'est la partition, ça partition. Fanny. Allô? On m'entend ou pas? Je vérifie. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par partition? On entend tout sur la lettre. Ah. Et du coup, vous entendez quoi par partition? Qu'est-ce que vous entendez? Voilà. Partition de l'univers. Genre inclusion, intersection, etc. Thomas sur Discord. Bah, allez-y. Ok. Ok, donc, considérons l'ensemble, c'est quoi? Je vais prendre. Ouais, j'ai envie, je l'ai trouvé. Alors, c'est mon dessin. Ok. Exprimer les ensembles E croix F, E croix E. Combien ces ensembles ont-ils d'éléments? Combien ont-ils d'éléments en commun? Ok. On vous dit quoi? On dit que E, c'est égal à 1, 2, 3. Ok, c'est l'ensemble à 2. F, c'est égal à AB.
l'ensemble E croix F, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des couples. C'est l'ensemble des couples qui d'un élément de E et d'un élément de F. Ou ça, c'est l'ensemble des couples. Donc, par exemple, on va prendre 1 avec A. Ensuite, ça va être 1, toujours, avec B. Ensuite, ça va être, bon, bah, 1, on ne peut plus prendre 2 d'éléments de F, donc. On prend 2. 2 avec A. 2 avec B. Bon, bah, c'est fini aussi. 3 avec A. 3 avec A. Et 3 avec B. Donc, ça, c'est ça. C'est tous les éléments. Donc, ça, c'est. Ça appartient à E. Et ça appartient à F. Voilà. Il ne faut surtout pas changer l'ordre des éléments. C'est très important. Le premier élément doit être le premier, enfin, doit appartenir au premier ensemble. Et le deuxième élément, le deuxième ensemble. Très important ça. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Let's go! Le 1, 4. Ok, attendez. Que vous voulez que je fasse les deux. C'est pour Bon, les deux. Pour représenter sous forme de patate deux ensembles finis A et B d'intersection non nécessairement vides. Ok. Donnez une partition de l'univers adaptée à ce schéma. Exprimez le cardinal de. Ok. Là, en gros, on ne vous donne pas plus d'indices. On ne vous donne pas plus d'indices. En fait, il faut choisir les ensembles. Attends, quand tu. C'est quoi ça? C'est quoi cet exo? What the fuck? Donner une partition de l'univers adaptée à ce chemin. Exprimer le cardinal A et B sur les cardinaux des ensembles de la partition de l'univers. Ok, on va prendre. Donc, on a A. On a B. Non, je vais voir. C'est quoi ce truc? Attendez. Si on demande une partition pour ça. Parce que moi je suis un peu perdu. Il est un peu bizarre sur mon avis. Attends, on entend pas ce que la prof t'a fait. Ouais, je veux bien. Parce que là, si elle a pris un. Si elle a pris un ensemble fini. Ok. Si elle a pris un bit avant, ça me. Je taille des schémas. Voilà quoi. Elle a pris deux trucs.
Alors. Ah, ah, c'est cet exo-là. Ok. Wow. Ok. Bon, voilà, après 2 ans. Ok. Mais c'est peut-être mieux sur les mains. Elle a pris 2 ensembles. A et B. On veut l'ensemble des partitions. Mais de quelle partition en plus? Exprime le cardinal de A et non B. C'est ce qu'elle fait directement. Ouais, ok. C'est ce qu'elle fait directement. Donc, A union B, c'est égal à quoi? A union B, vous êtes d'accord que c'est tout. C'est comme ce que je vous avais dit, c'était A plus B moins A inter B. C'est ça la définition de base. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle vient d'utiliser là? Attendez, en plus, elle a... oui, c'est bon aussi. Ah oui, ok, voilà, c'est déjà un peu mieux. Oh mon Dieu. Je comprends pourquoi. Tac. Enregistrer l'image, je crois que je peux. Alors attendez-moi, laissez-moi ouvrir l'autre truc. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. On a plusieurs solutions. On a si, imaginons, comme on avait fait le premier schéma, imaginons que l'intersection des deux, donc le A inter B, ça soit nul. Ça soit l'ensemble vide. Ok? Ça veut dire qu'en fait, A union B, c'est égal à A plus B. Tout simplement. Et du coup, que le cardinal de ça, c'est juste égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Que là, tout Attends. Comment on fait pour tracer une partition? C'est ça? C'est pas un truc. A privé de B plus. B privé de A plus A inter B. Une partition? Attends. Ensemble. Je commence à te dire, moi aussi j'en peux plus. La partition de l'ensemble, non, c'est juste tout. Ça, je comprends pas. C'est que tracer une partition de l'ensemble, c'est juste tracer les ensembles, quoi, pour moi. C'est juste qu'en fait, vous avez plusieurs choses. Il y a ce cas-là. Il y a le cas où l'intersection. Bah, c'est juste ça. Et du coup, on a A et B. Et du coup, que A union B, c'est égal à quoi? C'est égal à A plus B moins A inter B, tout simplement. Et du coup, que le cardinal de ça, c'est égal au cardinal de A plus au cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Mais non, du coup, comme une partition, il ne faut pas qu'il y ait des éléments en commun dans l'autre. Ah, une partition comme ça. Okay. Attendez. Je vais essayer de voir si j'ai pas enchaîné la partition.
Mentalité. Une différence pour ce cartésien. Oh non, putain, c'est temps. Oh non. Tu as répondu à ton message, oui. Je crois. Oui. Faut qu'en fait, s'il n'y ait pas élément commun, pour moi, c'est ça. Je sais pas. Attends. Du coup, comme. Faut pas qu'il y ait des éléments dans un. Alors, parce que là, je vous avoue que c'est le bordel. Je suis autant perdu que vous là. Suis autant perdu que vous sur ce cet exo là. Je comprends même pas ce qu'ils veulent en fait. Exprimer le cardinal de A une B selon les cardinaux des ensembles de la partition réalisée, puis en fonction des cardinaux de A. Il faudrait que le A ça soit égal à A privé de B. Ça? J'essaie de regarder la correction en même temps, mais je veux. Ce serait B privé de B, c'est égal. Va faire B. J'essaie de comprendre. En vrai, je vais essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. B c'est égal à B privé de A inter B, ok. Ça, union, union, A. Un problème là. Union à internet. Sert à rien quoi. Sert à rien de dire ça. Ah, j'avoue que là, je suis pas du complet. Il y a une autre correction sur Discord. Vous l'aurez tous de travers. Alors attendez, j'ouvre ça aussi. Oh yeah. Okay. Okay, bah écoutez, vous voulez que je vous explique le. Parce que en soi, oui. Ok. Si oui, je peux vous le refaire. Attendez. On va vous le refaire. Vous expliquer pourquoi elle a fait comme ça. En gros, ce qu'elle a fait. Elle a dit que A union B, c'était égal à A union AB. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça, c'est A. Ça, c'est A. Voilà, tout ça, c'est A. Maintenant, A bar, c'est égal à ça. C'est tout ce qui n'est pas A. Donc, c'est tout simplement le reste de B. Sauf que ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à union. Union B exclu. Ça, de A, ça veut dire quoi? C'est tout A. Et. Enfin, c'est tout A, donc enfin un schéma, donc c'est tout A avec
Donc avec l'union donc plus B, mais tous les éléments de B qui ne contiennent pas, enfin qui ne sont pas communs avec A. Donc en gros, c'est juste le reste. En gros, c'est. On a A, ça c'est A, et ça c'est B exclu de A. C'est tous les éléments qui ne sont pas dans A. Bien. La partition, on a marqué découpage de l'ensemble. Ouais, pour moi c'est ça. En fait, une partition, c'est tout ce qui est possible. Imaginez, vous avez un ensemble. Voilà. Bah, une partition, en fait, c'est toutes les manières de découper cet ensemble. Donc, imaginons que vous avez 1, 2, 3, l'ensemble 1, 2, 3. Bah, les partitions. Donc, ça, imaginons que c'est A. Bah, les partitions de A. C'est égal à, par exemple, à l'ensemble, donc 1. Ensuite, vous avez 1, 2. Ensuite, vous avez 1, 2, 3. Ensuite, vous avez 2, 3. Et vous avez 3. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Monsieur. Ah oui, il en manque. My bad. Il manque 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Et deux, oui. Et à mon avis, il en manque un encore. On a un, on a un, deux, on a un, deux, trois, on a un, trois, on a deux, trois, on a un, on a deux, on a trois. Non, non, c'est bon. Du coup, voilà, pour moi c'est ça. Il manque l'ensemble vide. Attends, je vais me faire tuer par le prof. L'ensemble vide. Et on va être même ça fait 8. Bon. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ok. Voilà, donc en gros là, la partition de ça, bah... ça, je pourrais pas vous la décrire, hein. Franchement là-dessus. Si vous voulez faire une partition de deux trucs, vous ne connaissez même pas les éléments, voilà quoi. On va pas vous dire. Donc, en gros, la partition, c'est ça. C'est juste la manière de. C'est tous les ensembles qui sont inclus dans celui-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avoue que l'exo là, il m'a perdu tellement aussi. Hein. À mon avis, je ne vais pas vous demander un truc aussi compliqué. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous demander un truc aussi compliqué. Ils vont plus vous demander les screens que j'ai envoyés. Enfin, que j'ai envoyés. Plus ces exos-là. Non, ces exos-là. Ça sera déjà mieux. Dessiner selon une condition. Ça aussi. Et surtout, je vous le dis, des définitions de injectives. Surjective, bijective, injective, surjective, bijective, c'est à apprendre par cœur. Mais quand je vous dis par cœur, c'est par cœur. Ensuite, vous avez les définitions
de, ah oui, de comment dire, intersection, union, complémentaire, enfin complémentaire, vous avez complémentaire aussi, vous avez inclus, appartient, complémentaire, etc. Tout, en fait, vraiment, apprenez toutes les définitions comme ça, par cœur, et ce sera. Vous pourrez gratter plein de points là-dessus. Donc, allez pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, après 2h40. J'espère que j'ai vu tous les points qu'il fallait. Si vous avez des questions, il y a toujours Romain qui peut vous répondre, je pense. Discord, moi, je peux toujours vous répondre, vous inquiétez pas. Mais voilà. S'il n'y a plus de questions, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ah bon, si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit. Ok, bah écoutez, c'est nickel pour moi. Hop là, écoutez, bonne journée, enfin bonne soirée, je crois. Bonne soirée et révisez bien. Et bonne chance pour demain. Vous allez déchirer tout, vous inquiétez pas. Sur ce, bonne soirée.